Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Contact Pro Live en ce mercredi 5 janvier 2021. Hier, nous vous avions annoncé qu'aujourd'hui, nous allions parler un peu de la situation de Beni. Alors, la situation de Beni demande à ce que nous puissions le voir dans plusieurs angles. L'angle militaire, l'angle politique et l'angle social. Donc, dans les trois axes, pour essayer un peu d'en parler. Parce que vous ne pouvez pas parler de Beni sans que vous ne parliez de la population Nandi. Vous ne pouvez pas parler des tueries de Beni ou bien des massacres de Beni sans toutefois parler de l'armée congolaise. Vous ne pouvez pas parler de Beni sans toutefois parler de la politique générale du Congo. Bandeko ba axona misatu, je crois que dans l'émission je crois que ça va nous prendre deux ou trois émissions où nous parlerons essentiellement de ces événements-là malheureux ya Beni. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres qui paraissent sur des journaux qui paraissent sur Internet. Et nous revenons juste après cette lecture de ces titres. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet ce matin. Nous commençons par élections.net. Les rebelles ADF érigent un bastion très près de Ndlandla, alerte une ONG DH. Et puis voilà les causes de la fausse majorité qui engendre la crise institutionnelle actuelle. Tribune Jeanne Magnancourt. On passe sur Actualité CD. Tshisekedi appelle les Congolais à marcher sur les traces de nos martyrs pour un Congo plus indépendant et plus démocratique. Et puis un rapport du groupe d'experts ONU donne les noms de certains officiers qui auraient fourni des armes au NDCR. Congo profond parle d'une nouvelle défection et PPRD, le président Banzalenge Polin quitte le navire. 7 sur 7 parle de ZDF installe de bombes artisanales dans les champs de Kainama. Et puis, Nord Kivu, une attaque rebelle déjouée par l'armée près de Butembo. Okapi pour terminer. Roger Lumbala mise en examen placé en détention préventive. Les députés provinciaux exigent la démission sans délai de Gilbert Kakonde. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Comme vous aviez lu dans le titre, Beni, c'est vraiment une poudrière. Depuis 20 ans, Beni est en train de subir. Donc, les autres appellent ça insécurité. Batumsusu bazo bengango massacre. Batumsusu bazo bengango guerre. Donc, ça vraiment. Définition nango et comment il est loyo et ça koukouye banate. Alors, aspect ni nango et boso toko bananango. Je pensais qu'il fallait que toko banana aspect militaire d'abord. Et parler de l'aspect militaire, nous devons parler de notre armée congolaise. Bandeko, il n'y a pas longtemps, en mai je crois, tomona kibisonyo sur les réseaux sociaux. Comment le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a promis que non, bon, l'État général et l'armée qui sont en Beni, ma promesse, c'est le cas qui est belé. On a même promis d'envoyer 22 000 hommes pour terminer cette histoire à Beni. Mais l'Ikamango, ils ont aussi laté. Pourquoi? C'est pour cela que je vous disais qu'il faut totaler le coup, on a trois axes. Aspect militaire, aspect politique, non, aspect social, il y a population. Ce qui trois axes et ça combiné, les Cambois et Beni et aussi la raté. Et puis dans le bas qui est sous, pour vous rappeler que non, l'histoire de Beni doit entrer dans solution à Beni, il faut côté la solution globale à la République démocratique du Congo. Ce qui se passe à Beni, c'est le même problème qui se passe à Mbandaka, à Mobaimbongo, à Kasumbalesa. Donc le pays est à restructurer. Mais les autres, toutes ces actions-là que le président de la République a joué qui n'a qu'à l'armée,
toutes les décisions, nous l'avons vu avec les généraux, nous l'avons vu avec Batouba armé, s'encadrer avec 10 ans que non, voici, rappelant à la tête de l'armée qu'il est le commandant suprême. Mais Likambo y a ben Ezak aussi la thé. Ezak aussi la thé. Donc, c'est pour dire que l'ennemi de Beni, d'abord, dans le cadre armé, Azana Kati armé, nous avions décrié ça depuis longtemps. Restructuration nini au président Fouassala, na Kati armé d'abord, pour que Toyeba, armé Nabiso, ait commis bien. Parce que, na Kati armé yango moko, botala bino moko batouana bazana Kati kuna, bandeko. Ce qui attend la football, équipe comme Kosala, on change le coach, on recrute les joueurs, on reste peut-être avec un petit nombre. Équipe ou un football, je donne un exemple. Équipe éthique à l'attente, nous attendons deux ou trois anciens joueurs, mais tu restructures les joueurs, tu as coach, nous sommes tous les. Mais ce qui se passe dans l'armée, dans le modèle où le président de la République a taclaqué l'armée, ça ne peut pas produire des résultats. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes acteurs. Nous avions décrié Tolobi, armée n'a pas battu au Bakendakana Est. Ce qui va nommer au Kaka, ce qui est général-major ou bien général côté à Est, fait des bandits. Ces généraux-là ne sont pas des militaires, mais ce sont pratiquement des commerçants. Alors, la fois passée, l'année passée, nous avions donné une solution en disant ceci. Et loko ya kosala les anines, et loko ya kosala absolument, ils ont changé pratiquement modèle, notre système dans l'armée. Changer batou. Ici, je vais vous donner les statistiques. Bandeko. Restructuration à l'armée, il fallait bandela. On a statistiques. Normal l'armée, ils ont à peu près 170 000 hommes. Ma statistique, ils ont 2011 à 2013. Nous avions à peu près 190 000 hommes. Et c'est pour cela, Boyoka Kabalo Bakake, non, l'armée n'a pas été parmi l'armée Oyo, il y a en Afrique. C'est à cause de ces statistiques-là costauds. Mais ce qui se passe dans l'armée, c'est déplorable. Après ma vérification, il y a Babilo Konyos, autant le président Yaki Kosala, vous êtes au courant qu'il y avait président Matisaka Salaire Abatou. Qu'est-ce qui se passait? Nous avions à peu près 70 000 hommes Oyoba fictifs, donc Bazalakate. Donc, par état physique, et qu'on a qui s'acquiert, à peu près 120 000. Moins que ça, parce que Babylon connaît ça, qui peut encore n'avoir doublon. Le rapport qui a dit qu'on avait à peu près 120 000 hommes au lieu de 170 000 hommes est encore douteuse. Rapport où on a peine à nous indimamater parce que. Et que n'a qu'à peine n'a pas contrôle. Structuré T. Je crois que vous aviez vu la Monisco à Goma essayer un peu de recycler Batou. Dans notre armée, dans le FARDC, 45% il y a FARDC baza au-delà de 55 ans. 45%, est-ce que vous vous imaginez 45% baza au-delà il y a
il y a 60, il y a 45 ans. Donc, au-delà de 45 ans, il y a 60 ans. 20% baza au-delà de 58 ans, donc baza au-delà de 60 ans. Au moins, déjà, il y a à peu près 25% ou bien 35% est il y a. Dans 35%, on a battu au à peu près 20%. Dans 35%, dans 20%, il y a bao et baza au-delà de 25 ans. Donc, nous n'avons que des jeunes gens dans la carte armée, dans la statistique, dans la carte armée, nous avons inventé un mot, nous avons internet pour vérifier un mot. Donc, le gangrenage armé n'a pas été fait. Donc, le fait que cette armée-là est en train de patauger dans le front, c'est ça qui explique que le peu de jeunes gens qui sont motivés, constatent qu'à l'issue, je crois que demain, à côté de la bino, un frère à moi, Oazakoye Bisangai, qui est grand, oncle. Awa to comprena kate tozo beta na ba masasi tozo e bate sokeza ennemi azana ni nani nda za FARDC parce que ennemi ango azolata même teni na FARDC wana biloko nyoso bimi wapi e uti na ba o bazoko kamba armée na biso ba o bazako kamba armée na biso ne mtu batia kazizani wana c'est connu. Je ne peux pas commencer à citer les noms ici, mais vous connaissez vous-même Bakombo Oye Bimana Katia Presse Abatu Oyo. Baza ba commerçant, Sokaza ba généraux ne sont pas à Kinshasa, Baza na ba immeuble. Combien de mbongo ya généraux azwaka combien pour azala abanda à côté kabakaka? Parce que là-bas, les, na beni, soko tali beni ti côté ya nani ya. Ya Kisangani kuna nyoso ba colonel na ba généraux baza ba commerçant tous ces petits groupes ya ba armée ya banani ya ba oh ba ADF oh ba rebelle tout ça dans à partir ya Masisi même à Goma ba commerçant ba kuko sala te librement ba kende côté kana na ba biloko na bango na Masisi sans que baza la en contact te na ba généraux naba généraux bien naba chef aba milice. Les milices appartiennent aux généraux. Ba milice wana musala na bango ezala kanini, c'est tout à fait économie. L'économie ba donc ba commerce na bango, il faut qu'il y ait la guerre pour que ba minerai na biso eza ebanda ko traverser facilement na Rwanda ekende na Uganda tout ça ba biloko wana. Donc l'entretien de cette armée là par les milices Yangoana. Donc nous ne sommes pas capables na armée na biso a réorganiser armée na biso pour na koloba que non armée oeza régulière ce qui tostie ordre ba tuebele ba kozanga misala ba payer belé ko souffrir. Alors ces mêmes personnes que nous déplorions, nous disions que batuana o baza à la tête de notre armée doivent être changés. Faisons confiance au caporaux na ba batu o baza yase les gens qui ont été formés, aujourd'hui on nous dit que non, on va faire une école de guerre. École de guerre, je ne suis pas contre ce que le président de la République dit. Mais le professionnalisme, c'est l'incapacité de beaucoup de bassesse. La bassesse est bel et bien présente dans les actions comme les réactions du politiquement correct. Voilà l'avantage de la démocratie. Eh bien, c'est de se reconnaître divisé. D'une part, on apporte ses accords, de l'autre côté, on apporte ses désaccords. Justement pour engendrer, c'est quelque chose plutôt que rien. La démagogie. Juste 30 secondes.